déclaration de foi de la prière révolutionnaire. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par sept chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Grande est ma joie de vous retrouver en ce moment pour partager avec vous ces instants dans la présence de Dieu. Jérémie, le chapitre 29, le verset 11. Car je connais le projet que je formais sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Proverbe, le chapitre 18, le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Déclare après moi, avec détermination, avec foi et puissance, dans le nom de Jésus-Christ. Cette année, je suis un signe et une merveille pour Dieu, au nom de Jésus-Christ. Cette année, je parlerai moins et je témoignerai plus, au nom de Jésus-Christ. Cette année, je goûterai la puissance impressionnante de Dieu dans chaque domaine de ma vie. Ça sera mon année de rire triomphante et de danse de victoire. Le Dieu qui a fait qu'Abraham témoigne garantira mes témoignages.
le Seigneur, qui a fait que Daniel soit célébré, garantira ma célébration. Le Seigneur, qui a détruit les vêtements de honte assignés à l'aveugle Bartimée, garantira ma célébration. Au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, fais de la honte une étrangère dans ma vie cette année. Que ma honte se transforme en célébration, en élévation. Cette année, j'aurai un rire triomphant et victorieux. Au nom de Jésus-Christ, mon témoignage sera impressionnant parce qu'il ne pourra être expliqué, car Dieu a fait pour moi de grandes choses. C'est mon année par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je chanterai mon cantique et je danserai ma danse au nom de Jésus-Christ. J'aurai plus que l'année précédente et je n'aurai plus besoin de rien, car l'Éternel sera ma provision. Je déclare que ma saison de percée exceptionnelle est arrivée. Au nom de Jésus-Christ, cette année, mes voies ne seront plus stagnantes. Au nom de Jésus-Christ, je chanterai un cantique nouveau. Et je danserai une nouvelle danse en l'honneur de l'Éternel. Cette année, mon témoignage sera exceptionnel et inhabituel. Au nom de Jésus-Christ, cette année, je poursuivrai, j'atteindrai, je récupérerai. Au nom de Jésus-Christ, cette année, Jéhovah se lèvera dans sa colère et combattra pour moi. Au nom de Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, mes attentes ne seront pas déçues. Cette année, le Seigneur me couvrira avec le sang de Jésus-Christ. Cette année, je marcherai sur tout serpent de la pauvreté, tout pouvoir assigné à me tuer cette année se tuera lui-même. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que cette année, personne ne me dira « Désolé, reviens la prochaine fois. » J'obtiendrai ce que je désire au nom de Jésus-Christ. Cette année, je suis un aigle de Dieu qui vole plus haut que mes adversaires ont été. Le Seigneur assainira mon environnement pour la prospérité dominante au nom de Jésus-Christ. Cette année, je ne porterai pas le vêtement de tristesse, mais le manteau de la délivrance. Tout pouvoir qui entreprendra un voyage méchant dans le monde maléfique
pour détruire ma vie ne reviendra pas et sera détruit au nom de Jésus-Christ. Ça sera mon année de la révolution définitive, de la destinée et du changement positif. Cette année, le pouvoir méchant qui tentera de jouer avec ma destinée sera exterminé au nom de Jésus-Christ. Cette année, je serai et je suis un champion, un guerrier, un révolutionnaire et non une victime au nom de Jésus-Christ. Cette année, je déclare, sera mon année de célébration multiple, de manifestations positives au nom de Jésus-Christ. Cette année, tout travail de mon ennemi recevra un double échec au nom de Jésus-Christ. Cette année, je déclare, je ne répondrai pas à l'appel des esprits méchants. Le Seigneur fera de moi un candidat aux surprises agréables surnaturelles cette année, au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu se levera et restaurera mes pertes du passé au nom de Jésus-Christ. Cette année, toute réunion maléfique convoqué contre ma destinée sera dans la confusion au nom de Jésus-Christ. Cette année, le Seigneur accélérera la vitesse de mon progrès au nom de Jésus-Christ. J'annule la mort, la tristesse et la mort prématurée cette année au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Cette année, je ne dois pas échouer et je n'échouerai point, car le Dieu que je sers fera des exploits dans ma vie. Ô Dieu, fais que cette année soit mon année de jubilé et de réjouissance au nom de Jésus-Christ. Cette année, Dieu se levera et fera de moi un prodige mystérieux au nom de Jésus-Christ. Cette année, chaque sortie de quelque chose devient pour moi une entrée dans une chose meilleure au nom de Jésus-Christ. Cette année, toute perte deviendra pour moi un gain au nom de Jésus-Christ. Je déclare que cette année, ce que les autres appellent un problème deviendra pour moi une promotion au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui s'oppose à mon existence sur cette terre mourra cette année. Selon la sentence d'Aman, au nom de Jésus-Christ, Aman mourra et je vivrai la grâce de Mardoché. Au nom de Jésus-Christ, la loi qui soutient le mur fortifié maléfique cette année se brise. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare que je vivrai la gloire de Dieu et je témoignerai le Dieu de mon parcours, le Dieu de mes miracles, le Dieu de mon histoire, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire
et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.